بون الحمد لله وين شفتوا مباراة تحضيرية لعبنا كانزر وين درنا مباراة مليحة شدينا بولا سجلنا أهداف الحمد لله ربي وفقني وين مديت أسيست الرياض والحمد لله درنا مباراة مليحة إن شاء الله باش ندخلوا الأجواء تاع كوب دافريك إن شاء الله ندخلوا في قمة وإن شاء الله رانا ناويين باش نروحوا البعيد في هذا الكأس إن شاء الله بون الحمد لله ستاج فات مليح وين حضرنا بيان خدمنا فيزيكمون مليح ان شاء الله تقول بلي رانا حاضرين ان شاء الله هاد الخطره وكما قلت لك ان شاء الله غادي نفرحوا الشعب وربي يوفقنا ان شاء الله صحيح لو بيلان با تري سامبل ليكيب ا تري بيان ترافايي فوالا اون سافي بوركوا اون ايتي فينو ايسي او توغو لانتونسيون سيتي دو ساكليماتي باسكو كي فيزي تري تري شو تري تري هوميد بور اريفي بري ان كوت ديفوار. Donc voilà, c'est à peu près le même climat. Donc on est venu dans la difficulté pour pas être surpris quand on va débuter la compétition. Voilà, il y a une bonne ambiance dans le groupe, tout le monde est prêt et surtout tout le monde a envie de gagner la compétition. De toute façon, pour être champion d'Afrique, il faut être la meilleure défense. Donc voilà, on veut vraiment être défensivement au top du top. Après, on a de la qualité, on est capable de marquer à tout moment. Donc voilà, on va essayer de... C'était le premier match, répondre présent et gagner et prendre les matchs les uns après les autres jusqu'à la finale. Ouais, alhamdoulilah, je me sens bien. On a bien travaillé, ça m'a fait du bien de venir en équipe nationale. Alors là, c'est toujours différent du club. On travaille bien, staff technique, la préparation physique, c'est vraiment le top du top. Donc vraiment très content et impatient d'en découdre et de mouiller le maillot. Ouais, non, bien sûr, on a de la qualité. Le football algérien a toujours eu de la qualité, même par le passé. Maintenant, ce qui se fait ces dernières années, c'est qu'on gagne en Afrique. Dans le temps, on ne gagnait pas en Afrique et maintenant, voilà, on gagne assez régulièrement en Afrique. Donc c'est très bien. C'est qu'il y a eu un changement dans les têtes et les jeunes, dès qu'ils arrivent, ils doivent comprendre que l'Afrique, c'est difficile. Il faut être concentré, déterminé et il faut qu'ils s'imprennent de la victoire. Les plus anciens, qu'ils soient à l'écoute et humbles. Et là, pour le moment, dans le groupe, rien à dire. Les jeunes, ils écoutent, ils voient comment ça se passe et ils ont envie de prouver qu'eux aussi, ils peuvent écrire une grande page du football algérien et marquer l'histoire. Et personnellement, moi, je les pousse, je les encourage et je suis toujours disponible pour eux. Merci beaucoup et bonjour. Merci.